Alors que Cyril Hanouna dévoile peu à peu les contours de la prochaine saison de Touche pas à mon poste, plusieurs nouveaux chroniqueurs devraient faire leur arrivée sur C8. En revanche, l'avenir de Benjamin Castaldi semble plus incertain. Il va y avoir du changement à la rentrée dans Touche pas à mon poste. À l'heure du Mercato Télé, Cyril Hanouna a dessiné les contours de la prochaine saison de son talk show, en septembre sur C8. Avec tout d'abord l'arrivée de deux nouveaux chroniqueurs, les animateurs Alex Good et Evelyne Thomas. Mardi 20 juin, l'animateur a également prévenu que s'il y allait avoir des arrivées, il y aurait aussi des départs. Ni Jean-Michel Maire et Hugo Manos ne seront concernés. En revanche, Béatrice Rosen a annoncé son départ de l'émission sur Twitter. Énorme surprise, d'après nos confrères de Public, Benjamin Castaldi pourrait lui aussi quitter TPMP. D'autant plus que l'animateur s'apprête à concrétiser un rêve de longue date, monter sur les planches au théâtre. Benjamin Castaldi va-t-il annoncer son départ de TPMP? Ce mercredi 21 juin, Benjamin Castaldi a entretenu le suspens dans un tweet, « Les amis, je lis et vois beaucoup de choses. Je vous dis tout bientôt. Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. » Alors que le talk show de C8 partira en pause estivale à la fin de la semaine, tout laisse à penser que l'ancienne star de TF1 et chroniqueur d'En Touche pas à mon poste depuis septembre 2016 prendra la parole d'ici vendredi. D'autant plus que Cyril Hanouna vient d'annoncer 15 septembre, il sera lui-même chaque vendredi à l'animation de TPMP à la place, donc, de Benjamin Castaldi. Si sa sortie se confirme, il s'agirait d'un nouveau départ majeur après celui de Mathieu Delormeau. TPMP, nouveau décor, nouvelle rubrique et nouveau chroniqueur. Au-delà des chroniqueurs, l'émission va elle aussi évoluer avec tout d'abord un nouveau décor et une nouvelle rubrique humoristique. D'après le journaliste Clément Garin, le 6 à 7 devrait de son côté laisser sa place à une partie consacrée à l'actualité des médias, menée par Guillaume Janton de 18h à 18h40. Suivra Touche pas à mon poste avec un traitement de l'actualité sociétale. Selon Le Parisien, Cyril Hanouna réfléchit enfin à une nouvelle émission politique. Si le nom de Ségolène Royal a, dans la journée, été évoqué, cette dernière a démenti sur Twitter, « Ah bon? Je ne suis pas au courant. » D'après Pure Média, le retour d'Éric Nolo semble en revanche acté. Et le Mercato Télé est loin d'être terminé.